Je vous invite aujourd'hui à méditer un verset qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 21. Une citation, d'Ésaïe 28, 11. Voici ce que déclare l'Écriture. « C'est par des gens d'autres langues que je m'adresserai à ce peuple, dit le Seigneur. Je leur parlerai par la bouche d'étrangers. Même alors, ils ne voudront pas m'entendre. » Dans cette citation d'Ésaïe, il y a à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est ce que Dieu va faire. Il va parler à son peuple. Je trouve ça extraordinaire, l'idée d'un Dieu qui parle. Un Dieu dynamique qui parle ici et maintenant. Il parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord qu'il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à te dire à toi aujourd'hui, à moi aujourd'hui. Ensuite, cela veut dire que Dieu est un Dieu de relation. Il veut créer une relation. Il veut entrer en relation, en lien, créer ce lien entre lui et nous. Il parle. Dieu veut parler. Voilà la bonne nouvelle. Dieu veut parler. Cela veut dire aussi, si Dieu nous parle, c'est qu'il a de la considération pour nous. Vous savez, dans un groupe, quand on ne veut pas parler à quelqu'un, on a coutume de dire qu'on l'ignore, on l'ignore, on la met de côté. On fait comme si elle n'existe pas. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu ne m'ignore pas, n'ignore pas son peuple. Il a de la considération pour son peuple. Il a de la considération pour toi. Il a de la considération pour moi. C'est pour cela qu'il veut entrer en relation, qu'il veut me parler. Ce n'est pas un Dieu qui est figé dans le marbre, mais qui est en mouvement, un Dieu dynamique qui vient vers nous. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut parler même à son peuple par la bouche d'étrangers, avec des langues étrangères. Voilà la grâce de Dieu. Il n'exclut personne, mais au contraire, il les intègre à son projet, il les missionne même. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils peuvent nous parler par la bouche d'étrangers, par les langues étrangères? Ça veut dire qu'ils peuvent nous parler par des manières inattendues, dans une langue même inattendue. La mauvaise nouvelle dans ce passage, c'est que le peuple ne voudra pas l'entendre. Pas seulement ces personnes sous prétexte que la méthode, le moyen de communication n'est pas celui qui est attendu de Dieu, mais en plus, c'est Dieu lui-même qui ne veut pas entendre. Aujourd'hui, Dieu continue à parler et nous pouvons transformer la mauvaise nouvelle qu'il y a dans ce texte que nous avons lu en vraie bonne nouvelle pour chacun. Comment? En ne refusant pas d'écouter Dieu sous prétexte que ce qu'il nous dit n'est pas comme on voudrait que ce soit, sous prétexte que la manière dont il s'adresse à nous n'est pas tout comme toujours, n'est pas comme je voudrais que ce soit. Dieu a quelque chose à te dire aujourd'hui. Alors écoute-le et laisse-toi te surprendre par lui. Écoute-le même si c'est au travers de personnes ou de langues que tu n'as pas l'habitude. Peut-être qu'il va t'envoyer quelqu'un et il veut te parler au travers de cette personne et toi, tu t'y attends vraiment pas. Peut-être qu'il va utiliser un nouveau moyen pour te parler et toi, tu t'y attends vraiment pas à ce nouveau moyen. Alors, soyons attentifs. Attentifs à accueillir la parole que Dieu veut nous adresser aujourd'hui, sous quelque moyen que ce soit et au travers de n'importe quelle personne, même celle qui est peut-être étrangère à moi.